Donc on est avec Alvino Cordero qui fait partie de la société Atem qui fait de la compression. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les enjeux de votre secteur et en quoi vous êtes, nous disiez-vous, les meilleurs dans votre domaine ? Donc aujourd'hui, la compression est importante. L'idée de la compression, c'est de pouvoir accéder à des nouveaux formats de diffusion dans les nouveaux médias comme l'IPTV, donc dans la télévision, donc set-top box, les décodeurs, mais aussi les nouveaux formats comme l'iPad, l'iPhone, Android, enfin tous les nouveaux formats. Aujourd'hui, donc ces formats ont des bandes passantes limitées. Et donc pour offrir la qualité que les consommateurs attendent, il faut pouvoir compresser beaucoup. Donc pour la compression, donc il y a des algorithmes, on travaille sur le MP4, Atem est leader dans la compression MP4. Donc l'idée c'est d'utiliser les estimations de mouvement, les différents outils de compression qui permettent d'améliorer la qualité. Donc on a plus de 20 ingénieurs qui travaillent sur des algorithmes. Il faut savoir que la France est quand même leader dans le traitement de l'image. Et donc aujourd'hui, on présente aussi la mise en forme de ces formats vidéo pour accéder à des différentes résolutions sur les mobiles. Pour que quand on est dans une couverture mobile faible, on accède à un débit plus faible, mais le signal est toujours là. Et alors la qualité est importante puisque le signal sera meilleur si on peut compresser plus. Donc il faut savoir qu'un gain de 10% de bande passante va permettre d'accéder peut-être à 20% de plus d'utilisateurs. Donc il y a un enjeu économique important pour les opérateurs. Donc l'idée c'est qu'on veut accéder à un flux vidéo, qu'on soit sur un périphérique mobile ou qu'on soit en ADSL, on a une certaine caractéristique de bande passante à un instant donné de T, et vous travaillez avec le diffuseur qui encode différents flux et qui va choisir le flux le plus adapté à la personne qui veut recevoir le flux, c'est ça ? Exactement. Nous, on met à disposition toutes les bandes passantes disponibles et ensuite le diffuseur va adapter le flux le plus adapté en fonction de la réception. Voilà. Et le MP4, c'est un format ou c'est un codec ? Alors, le MP4, c'est un standard de compression qui fournit des outils de compression. Et ensuite, gage aux sociétés qui utilisent ces outils d'utiliser les outils de la meilleure manière et le maximum d'outils pour faire la meilleure compression. Donc, en fait, MP4... Tous les MP4 ne sont pas les meilleurs MP4. Il peut y avoir du MP4 gratuit qui fait une compression, mais bon, on ne va pas voir beaucoup comprimé, on va voir beaucoup d'artefacts, de problèmes sur l'image. Par contre, si on utilise les bons outils, et là on est expert, on va pouvoir gagner beaucoup de bandes passantes. Par exemple ici pour de l'IPTV, donc les décodeurs pour les ISP, on montre du 4,5 mégabits par seconde, alors qu'aujourd'hui ce qui se fait, c'est plus 9-10 mégabits sur le satellite. Il faut savoir que par exemple sur le satellite ou même sur l'IPTV, gagner 50% de bande passante, c'est beaucoup d'utilisateurs en plus. Merci beaucoup.